tous les secrets de la recette du Madeleine, recette gourmande de Madeleine au citron et beurre. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente ma recette de base pour les Madeleines. Cette version offre une saveur riche de citron et de beurre, avec une texture croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Après plusieurs essais, j'ai ajusté la recette pour obtenir la meilleure texture et saveur possible. Même si la plupart des recettes de Madeleine se ressemblent, j'ai apporté quelques petites modifications pour la rendre encore plus délicieuse. Si vous êtes fan de Madeleine, assurez-vous de regarder la vidéo et de la réaliser avec moi. Alors, installez-vous et profitez du spectacle en cuisine. Pour la préparation de ce gâteau, nous avons besoin de ces ingrédients, pour 9 madeleines dans un moule profond. 115 g de beurre, 92 g après avoir fondu le beurre. 75 g d'œufs à température ambiante. 70 g de farine à gâteau. 20 g de farine tout usage. 20 g de poudre d'amande. 3 g de levure chimique. 35 g de sucre glace. 35 g de sucre. 2 g de sel. 15 g de miel ou sirop de maïs. 3 ml d'extrait de vanille. 25 ml de crème fraîche. Un citron. Préparation du beurre noisette au citron. Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu moyen. Veillez à ne pas le brûler. Quand le beurre commence à bouillir, continuez à remuer avec une spatule pour vérifier qu'il est complètement fondu. Lorsque vous regardez le fond de la casserole, le beurre devient progressivement brun. Vous pouvez le brûler selon votre goût. Une fois le beurre bruni à votre goût, éteignez le feu et plongez la casserole dans l'eau froide. Ajoutez le zeste de citron au beurre noisette pour enrichir le parfum du citron. Mélangez pour que le zeste soit bien incorporé. Refroidissez le beurre noisette à environ 60 à 70 degrés Celsius. Préparation de la pâte. Dans un bol, battez légèrement l'œuf à température ambiante. Ajoutez le sucre en poudre, 35 g de sucre, le miel, le sel et l'extrait de vanille. Mélangez juste assez pour sentir le sucre lorsque vous touchez la mixture. Tamisez la farine molle, la farine à pain, la farine d'amande et la levure chimique à travers un tamis. Mélangez avec un fouet jusqu'à ce que la poudre soit visible. Ajoutez la crème fraîche chauffée à 60 degrés Celsius et mélangez délicatement. Incorporation du beurre noisette. Divisez le beurre noisette en deux parties et mélangez une première fois. Ajoutez la deuxième partie du beurre noisette et mélangez bien en faisant d'abord de petits cercles, puis de grands. Utilisez une spatule pour bien nettoyer le fond du bol et garantir un mélange homogène. Couvrez le bol de film alimentaire et réfrigérez la pâte pendant une heure, ou toute la nuit pour une saveur plus riche. Retirez la pâte du réfrigérateur et mélangez-la délicatement pour éliminer les bulles d'air. Mettez la pâte dans une poche à douille et remplissez les moules à environ 80%.
Pour un moule à madeleine ordinaire, beurrez et farinez légèrement, puis réfrigérez avant de presser la pâte. Préchauffez le four à 190 degrés Celsius, faites cuire pendant 5 minutes, puis réduisez à 180 degrés Celsius et poursuivez la cuisson pendant 9 minutes. Laissez légèrement refroidir les madeleines dans le moule. Merci d'avoir cuisiné avec nous aujourd'hui. J'espère que vous vous régalerez avec ces délicieuses madeleines au citron et beurre. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter et de vous abonner à la chaîne pour plus de recettes gourmandes. À la prochaine !